Pour modifier une communauté et ajouter des documents, vous devez aller dans chacune des communautés. Donc, je reviens dans Minivox, à la page d'accueil, dans les communautés. Par exemple, moi, je choisis celle du SPDP. Et vous avez le choix d'ajouter une actualité ou d'éditer les actualités. Pour ajouter une actualité, on clique sur Ajouter. Vous allez devoir donner un titre, donner le contenu de la nouvelle. Et le résumé. Le résumé, c'est ce qui va s'afficher dans le fil de nouvelles à cet endroit-ci. Quand on va cliquer sur la nouvelle, on va avoir le contenu de la nouvelle. Et ici, vous devez spécifier la date de début d'affichage, la date de fin d'affichage, lien vidéo, s'il y en a un, par exemple pour YouTube, l'image principale qui va se placer à gauche sur le résumé et des images secondaires si vous avez besoin. Un coup que c'est fait, prévisualisé et vous allez pouvoir l'envoyer sur le serveur. C'est le même principe pour les fichiers. Ajouter un fichier, donner un titre, la description. Pour les catégories, bien les catégories déjà existantes vont s'afficher ici. Sinon, si vous voulez ajouter une catégorie, vous devez aller dans Autres. Et on va vous demander le titre de la catégorie et le tri qu'on veut y appliquer. Par la suite, date de publication, date de fin. On va juste faire un test ici. Donc, catégoriser, 3 octobre, blablabla. Continuer. Et vous allez devoir parcourir pour aller chercher votre document où vous voulez. Par exemple, sur mon bureau, je pourrais prendre ce document-ci, télécharger. Et le document va être placé dans non catégorisé test pour l'éditer le crayon ici. Pour le remplacer, on va vous demander de refaire les mêmes étapes et de remodifier le document ou pour le supprimer. Par exemple, ici, OK. Et mon document disparaît. Vous pouvez aller dans le forum si vous en avez un pour ajouter un commentaire. Soit répondre à ce sujet ou supprimer ce sujet. Et en ce qui concerne les liens utiles, bien, vous avez à cliquer sur Éditer les liens utiles et vous allez pouvoir soit ajouter un lien, en modifier ou en supprimer. Quand on ajoute un lien, vous voyez le nom du site, la description, l'adresse URL, catégorie. Même principe, on peut ajouter une catégorie en cliquant ici et en cliquant Ajouter, le site va s'ajouter à notre liste de sites. À chaque fois qu'il y a une nouveauté dans une communauté Omnivox, il va y avoir une petite étoile comme ici où on vous dit, ah, dans elle, il y a un nouveau document, dans elle, il y a deux nouveaux documents. Donc, ça fait le tour des communautés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.